Oui, bonjour les amis, c'est Fabien Klimenko de Cannes dans les Alpes-Maritimes. Voilà, premier cas positif donc déclaré en Belgique, d'autant plus surprenant et d'autant plus inquiétant que cette personne avait été donc déclarée négative en France et qu'elle était rentrée en France, donc à bord d'un vol de rapatriement d'Air France. Elle a atterri à Istres, donc dans le sud de la France. Et elle a été déclarée négative, elle rentre en Belgique, elle est déclarée positive. Donc cette fois, cet événement vous confirme définitivement que rien ne sera fini le 6 février, que de nombreuses personnes vous mentent, astrologues, que ce soit Jérôme Salomon, directeur de la santé, qui vous dit qu'il n'y a pas d'épidémie en France. Vous voyez, ces gens n'ont pas les infos, parce qu'il y a du mystère autour de ce virus. Apparemment, il pourrait rester. Donc asymptomatique pendant très longtemps, d'où le côté Pluton, hein, l'invisible. Vous voyez les mystères, les secrets, tout ce qui plane sur ce virus. Et donc il y a une période d'incubation peut-être beaucoup plus longue. Peut-être que le virus peut rester asymptomatique pendant très très longtemps. Et c'est ce que vient de nous confirmer aujourd'hui ce cas en Belgique. Donc ça fait quand même beaucoup de pays infectés. N'oubliez pas qu'il y a eu un deuxième mort hors de Chine aujourd'hui à Hong Kong. Le virus, ça y est, a fait plus de 420 morts. Il a dépassé le SRAS. On arrive à 500 morts. On a 17 000 personnes contaminées officiellement. Voilà, beaucoup de continents sont touchés. Et il y a encore des gens en France qui vous disent de ne pas paniquer, que tout va bien, que c'est génial. Mais ça fait 40 ans qu'ils vous disent ça. Donc commencez à vous poser des questions, vous voyez? Ça fait 40 ans qu'il y a des gens qui vous disent ne paniquez pas. Et que quand il y a un virus à vos portes, on vous l'emmène chez vous, il se répand chez vous, ils sont assez incompétents pour déclarer les gens négatifs, puis après ça s'avère positif. Et là, on vous dit ne paniquez pas. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose ici qui se prépare là, qui est en train de se mettre en place là, et que vraiment ils veulent éviter à tout prix le bank run, ils veulent à tout prix éviter que les gens se ruent dans leur supermarché, ils veulent à tout prix éviter la panique. Parce que c'est la panique. Et moi, je peux vous dire que je parle aux gens tous les jours et je vois des gens en panique. Déjà avant le virus. Et là, ce virus vient renforcer beaucoup de choses. Il vient amplifier de nombreuses choses. Donc, vraiment, c'est fabuleux de voir. Regardez, je discutais avec un astrologue, enfin un pseudo-astrologue, qui disait, ça va être fini le 6, le carré de Mars à Vénus se dissipe. Il nous partait dans une interprétation complètement farfelue et il nous dit ça se dissipe le 6. Déjà, je repense à mes anciens maîtres astrologues et mes maîtres astrologues qui m'ont toujours appris l'astrologie de me dire il y a toujours quand même quelques jours avant et après, surtout pour bon, là c'est des planètes rapides, mais il y a toujours quelques jours de latence avant et après, un peu que l'aspect se dissipe. Et là, comme par magie, le 6 février, tout devrait être terminé. Vous voyez, on voit qu'il y a un besoin de rassurer. Il y a un besoin maladif ici. Il y a une maladie de fuir la réalité, de rester dans le positif à tout prix. Et on voit que cette maladie, elle est en train d'amener le monde à son extinction à cause de ces personnes-là. Et je pense à ce type, il s'appelait Patrick Buzzplug, ou Buzz Plus, ou Buff Plus. Déjà, rien que le nom, j'ai envie de vous dire, il vous fait chier, le mec. Donc, rien que le nom, il est fatigant, le mec. Et je m'appelle Klimenko, moi. Hein. Donc, c'est dire, quoi. Donc, le mec, c'était Patou, quoi. Je vais l'appeler Patou Buff Plus, ou Patou Buff Plus. Mais Patou, il est pas très synchrone, quoi. Parce que le soir où il dit ça. En fait, il répète la même chose que Jérôme Salomon, quoi. C'est un Jérôme Salomon en astrologue. C'est exactement ça, d'ailleurs, qui m'a lancé. Vous voyez? Si je me suis lancé dans l'astrologie, vraiment, sur YouTube et tout, c'est en voyant des mecs comme Macron. En voyant des mecs comme Patou Buff Slug, je me suis dit, putain, si ces mecs peuvent être astrologues ou présidents, putain, mais moi aussi, je peux direct, quoi, tu vois. C'est open bar, quoi, c'est royal au bar. Si lui, il est astrologue, alors moi, je suis même un astrologue qui prédit des choses avec exactitude, tu vois. Donc, je me suis dit, y a plus de limite, là. Là, tout est possible. Et donc, c'est ça. C'est là où le positif de ces personnes, c'est qu'ils sont de grandes inspirations pour moi. Personnellement, c'est des grandes motivations. Moi, c'est des gens, ils me motivent, vous voyez. Et donc, je regarde là ce qui est en train de se passer et j'ai envie de me dire, mais où vous pensez que ça va s'arranger comme ça du jour au lendemain en France après le 6 février? D'autant plus qu'il y a quelqu'un qui est entre la vie et la mort là. Le virus
va peut-être faire son premier mort en France aux alentours du 6 février. Alors là, je dirais bravo Patou, quoi. Là, je dirais bravo Patou, quoi. Non, non, mais c'est vrai qu'il y a de quoi s'affoler un peu et de se monter en barre parce que. De monter en pression parce que. On vous dit restez cool, restez cool, restez cool, et on sent que putain, il y a quelque chose qui est pas normal. On dit restez cool, restez cool. Puis il y a tout qui s'aggrave, et le virus se rapproche. Des morts de plus en plus près, tu sais. Il y a des morts de plus en plus près de chez toi, en fait, qui se rapprochent. Il y a des contaminations qui arrivent. Tu vois, le matin, les ministres de la Santé te disent un truc, le soir, il se produit un autre truc. Tu te dis, non, mais là, en France, moi, je pense que je vais quitter le pays, là. Franchement, là, la France, ça fait peur. Franchement, j'ai d'autant plus peur qu'encore on pouvait partir quelque part, quoi, à certains moments assez sombres de l'histoire. On pouvait prendre un train, on pouvait prendre un avion. Mais maintenant, avec cette mondialisation, ce virus. Mais c'est vrai que là, si putain, pour vous aider, vous avez Agnès Buzyn. Putain, vous imaginez là? Il y a une crise de virus, vous appelez Agnès Buzyn, quoi. Vous dites, c'est la personne qui va gérer le problème. Bon, bah, après, faites comme vous voulez, hein. Moi, si vous êtes possédé par le diable. On l'est tous plus ou moins, mais là, je pense que là, il y a un level, là. Là, on a franchi un level, là. Là, Agnès Buzyn, là, les Français, et quand vous voyez à la télé, ils sont là, là. Moi, je regarde un peu la propagande, parce que je les regarde un peu, ils sont là. Ah oui, on a pris... Ah oui, il y a des mesures exceptionnelles. Les mecs, ils mettent deux masques à l'aéroport, ils posent deux questions, tu sais. Ils sont payés une fortune pour poser deux questions, mettre deux masques. Tu sais, en Chine, ils sont déjà avec les infrarouges et tout. Mais en France, on va se laisser submerger par cette épidémie. Surtout si le virus a une période d'incubation beaucoup plus longue que prévu, et s'il mute, et s'il peut rester asymptomatique longtemps. Là, autant il est déjà répandu, là. Du moins, autant répandu, je veux dire, il est déjà présent sur une bonne partie de personnes. On va dire sur une petite centaine de personnes. C'est déjà un petit foyer qui peut évoluer. Et surtout qu'en France, personne ne met des masques, personne n'est en quarantaine. Enfin, je veux dire, à part ces personnes, vous voyez, elles sont déjà reparties dans leur pays d'origine, contrôlées négatives par la France. Et c'est répandu en Belgique. Moi, je vais vous dire, sérieusement, la France et les dirigeants français, ils ont beaucoup à faire dans cette épidémie. Parce que déjà, apparemment, il y a un laboratoire français à Wuhan. Voilà, qui fait beaucoup parler de lui. Alors moi, je dis apparemment, j'ai pas dit que moi, Fabien Klimenko, je disais que c'était ce laboratoire qui avait contribué à... Moi, je dis qu'indirectement, le gouvernement français a beaucoup plus, on va dire, de responsabilité dans cette crise que d'autres pays. Vous voyez? Par exemple, là, on a symptomatisé des gens négativement, on les a diagnostiqués négatifs. On les a laissés repartir, ils rentrent chez eux positifs. C'est scandaleux. C'est un scandale. Et nous, la France, on est un grand pays. Ben moi, non, je pense pas. Je pense qu'on est du côté des chimpanzés. Donc moi, je me dis, voilà, posez-vous des questions. Moi, c'est tout. Ça me plaît pas d'être dans un pays qui gère la crise comme des chimpanzés, vous voyez? Donc si vous voulez... Faire les macaques et suivre Agnès Buzyn, vous faites comme vous voulez. Moi, je me réveille. Moi, je me sors les bips du bip. Voilà. Donc, sérieusement, non, mais voilà, mais non, mais plus sérieusement, moi, je vous dis, là, il va y avoir sûrement une épidémie mondiale entre janvier et mars 2020. Les choses arrivent, vous continuez à résister, vous écoutez pas tout Buff Plus, là. Vous écoutez Buzz Plus, là, pas tout. Vous écoutez pas tout, vous écoutez Agnès. Donc, moi, je dois te faire des vidéos. Hein. Moi, je me dois te faire des vidéos. Je continue jusqu'à ce qu'ils vont me foutre à l'Institut de Chapa. Hein. Ça va finir à l'Institut de Chapa, toutes ces conneries. Hein. Voilà, quoi. Bon, bah, la Belgique, ça va pas fort, là. Hein. Donc, c'est Belgique, Allemagne. Commence à en avoir des pays contaminés hein, ou atteints par le virus. Hein. Donc, et là, c'est qu'un début. Voilà, vous avez vu les aspects, regardez dans mes vidéos. Je les mets en description, vous l'avez vu cette vidéo? Elle dure 3 minutes 40 secondes. Putain! Regardez-la! Regardez-la cette vidéo, 3 minutes 40 secondes. Je parle d'une épidémie virale mondiale entre janvier et mars 2020, en octobre 2019. Mais merde! Moi, ma vie a changé, vous croyez que j'ai voulu ça, moi? Moi, vous croyez que j'ai voulu faire un truc comme ça dans ma vie? C'était mon projet? Annoncer des épidémies virales?
Moi, j'ai pas signé pour ça, les gars. Donc là, voilà, faites tourner la vidéo et j'essaie de faire mon métier d'astrologue le mieux que je peux, quoi. Parce que là, si vous, et franchement, si les gens prennent pas conscience des problèmes, moi, je vais continuer à vous alarmer. Hein. Je vais pas vous dire qu'on va vers un âge d'or, là. Ah là, je vais pas vous dire que c'est l'expansion de conscience, là. C'est plutôt l'expansion du virus, là, vous voyez. Ah, moi, je suis pas dans l'expansion de conscience, là, non. Quand je vois des mecs, attends. Là, regardez, je regarde en Thaïlande, là. Ouais, parce que j'ai de la famille en Thaïlande. Si ça vous intéresse pas, vous pouvez arrêter la vidéo. Mais là, il y a un mec, il a braqué une bijouterie, il a tué un enfant de 2 ans, le mec. Pour de l'or, pour de l'argent, il tue un enfant de 2 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Si encore le mec s'énervait, il veut éduquer son gosse, il lui met une mauvaise claque, ou... Je me dis, il y a quand même, vous voyez, c'était pavé de bonne intention. Mais là, pour aller voler de l'or. Pour aller voler de l'or, les gens tuent des enfants. On a atteint un niveau maintenant, j'en parlais encore, là. J'en parlais encore, c'est l'ultra-violence. Et vous avez derrière votre ministre qui vous dit tout va bien. Mettez pas de masque, tout va bien. Restez calme. Prenez bien du virus, ça va aller. Je sais pas, posez-vous des questions. Commencez à vous dire, est-ce que cette personne, elle me défend? Ou est-ce que cette personne, elle cherche peut-être à me tuer? Peut-être finalement. Est-ce que Macron et son équipe ne chercheraient pas à nous tuer finalement? C'est pas... Finalement, est-ce que c'est farfelu? D'autant plus que quand on creuse, voilà, ouais, il y a des bâtiments anonymes qui disent « Faut juste garder 500 millions de personnes sur Terre. » Est-ce que là, on est tant dans le complot que ça? Quand on voit... attends, c'est des mecs qui ont bac plus 5, bac plus 8, ils viennent de familles qui ont des grands QI. Ils savent parfaitement ce qu'ils font. On peut pas dire à quelqu'un « Il y a rien, il y a rien, il y a rien », alors qu'il y a des gens qui sont potentiellement avec le virus, qui viennent, qui sont en quarantaine, il y a quelque chose qui circule, on peut pas dire il y a rien qui circule, là. C'est pas possible, on peut pas... C'est pas possible, c'est pas possible. Voilà. Donc moi, je vous donne rendez-vous, hein, de cette mi-février à cette mi-avril, et je pense que d'ici la moitié avril, il va y avoir un vent de panique qui va souffler sur le monde et sur la Chine, et qu'entre mars et mai, cette fois, c'est non seulement l'expansion qui va déjà être là, entre mars et mai, c'est la panique qui va arriver. La panique sur les marchés financiers, la panique au niveau des nourritures, de se fournir. Et je pense qu'il va y avoir une très grosse panique entre mars et mai, là. Et pour la rentrée de Saturne en Verseau. Hein, Saturne en Verseau va restreindre la liberté. Voilà. Les prix de l'électricité vont monter. Voilà, voilà, j'en ai parlé. Moins de liberté, la loi Avia. Hein, peut-être moins de déplacements. Et la Chine, qui est ascendant Verseau, pourrait commencer à sentir les restrictions de Saturne, oui. Et j'ai parlé d'une isolation au mois de mai, ou du moins 2 mois avant et après le mois de mai 2020. Et c'est ce qui se dessine de plus en plus, voilà. Donc je vous invite à prendre des cours d'astrologie pour ceux qui vraiment continuent à vous dire que l'épidémie sera terminée le 6 février. Ils peuvent regarder les vidéos, c'est gratuit. Ça leur coûte rien parce que moi, je veux même pas les avoir en cours. C'est clair. Voilà, les gens comme ça, je les prends même pas en cours. Voilà, c'est certain. C'est pour... si c'est pour tomber sur des schizophrènes, voilà, qui vous leur dit qu'il y a une épidémie mondiale, ils vous disent il n'y a pas d'épidémie, tout va bien. Et le lendemain, je vous dis, c'est les gens qui ont été déclarés négatifs sur le territoire qui sont déclarés positifs en Belgique. Ça vous montre finalement ce que ça vous montre. Ça veut dire que ces gens, en fait, à être tellement positifs, à être tellement 100% dans le positif, ils sont pas dans le vrai. Parce qu'on vit dans un monde qui est négatif, qui est gouverné par Satan. Et il y a le bien et il y a le mal aussi. Et c'est le mal qui contrôle dans le monde. Le monde, il est négatif. Vous voyez ? La matière, la chair, c'est négatif. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et si vous n'arrivez pas à le voir, vous êtes un schizophrène. Vous êtes doublement négatif. Vous êtes doublement possédé par le démon. Voilà. Et puis là, c'est l'épidémie des virus, hein. Il paraîtrait qu'il y a le H5N1 qui revient aussi en Chine. Et là, il y a le virus de la tomate. Alors là, c'est la période des virus, hein. Donc là, il y a du lourd, hein. Je peux vous dire, là, il se passe des choses. Vous avez beau dire ce que vous voulez, il se passe des choses. Et puis là, il y a 3700 personnes de plus en quarantaine au Japon sur un bateau. Donc je peux vous dire que là, ça va mal, hein. Ça va très très mal. Hein. Et puis là, il y aurait des cas de contamination locale à Singapour. Donc ça y est,
vraiment, l'épidémie commence à fleurir en Asie. Il y en a de partout. Donc vraiment, il faut... Voilà, local d'humain à humain. Ah voilà. Ah oui. Allez, ça y est, là. Là, ça y est, il y a de plus en plus là de personnes. Là, 425 morts. Donc là, je peux vous dire que... Là, il y a du lourd hein, qui arrive. Vous voyez ? Là, c'est ça la nouvelle. Hein. Un passager belge du deuxième avion affrété par la France est infecté. Donc ça, c'est vraiment... Pourtant, on nous disait hier que tout était négatif. Non, non, mais je vous dis, putain, c'est des gens qui sont... Hier, on nous disait qu'ils présentaient pas de symptômes, quoi. Non, mais c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, quoi, là, ce qui est en train de se passer. Voilà. Écoutez, merci de votre attention, on en reparle bientôt.